Bonne nouvelle pour le peuple haïtien qui a pris balle, qui a kidnappé, qui a violé petit yo, qui a assassiné yo, qui a disparu yo, qui a fait trafic d'organes sous yo. Peuple haïtien, dossier sanction. Après que le Conseil de sécurité des Nations Unies te fin voter plusieurs résolutions, et nous songeons à partir de 20, alors 15 juillet qui sont passés là, et ils ont voté plusieurs résolutions, parmi eux, résolution 2645, que moi-même jusqu'à présent qui pour rentrer en application dans toute intégralité, nous plus souhaitons que vous penchez sur résolution 2653, je pas une raison, sauf que vous pas de prévoir ça, et vous avez prévoir cette résolution 2645 qui a commencé avant. Mais justement, il y a un pile monde qui questionnait sanctions que le Canada a pris compte. On sait des hommes politiques, ou du moins, on sait des gens dans le pays d'Haïti. Grand pilote qui questionne les sanctions que les États-Unis d'Amérique prennent. Ils disent pour qui ça? C'est pas tout le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça veut dire l'ONU, qui pour tout frapper, comme si Mdadjou, il y a un seul coup. Tout prend décision qu'il apprend, contre les cas financiers gang yo, et puis, bâton dans la classe. Peuple haïtien, écoutez bien. C'est bien ça que Mbral dit nous là, parce que, nous tapons des nouvelles, moi-même, faut que nous avons des nouvelles. Parce que moi, là, pour nous informer. Après, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France qui a appuyé, Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ONU, et mais c'est tout, c'est pas le tout pas, le Royaume-Uni. Royaume-Uni annonçait la couleur. C'est comme si Mdadjou lui-même, l'USA, le Canada a fait ses blagues, ça, la France a fait ses blagues. Ça, les États-Unis a fait ses blagues. Ça, ils ont annoncé là. Ils ont dit, ils ont pas parlé plus loin. Ils ont annoncé 28 décembre qu'ils viennent là. 28 décembre 2022. Je dis, ouais, nous 13 décembre 2022. Ça veut dire que dans quelques jours encore, qui prend le 28 décembre, le Royaume-Uni annonçait des sanctions contre des hommes et des femmes qui participaient. Nous finançons gang dans le pays d'Haïti. Et directement, ça qui est dans gang, yo. Moun qui s'y quitte bois, mais yo, tout partout dans le pays, yo annoncé la couleur. Et des sanctions, et comme tu as dit ça, tête chargée, coûte moun ça dans le pays, ya. Écoutez bien. Le Royaume-Uni annonce qu'à partir du 28 décembre 2022, des sanctions seront prises contre ceux qui financent les gangs en Haïti. Restriction, visa, gel de fonds, interdiction de faire le commerce sur son territoire. Sanctions sa yo prévu selon l'article 8B de la loi de 1971 sur l'immigration. Peuple haïtien, yo évoqué des bagages extraordinaires et yo gen la loi qui couvre yo. Selon ça, eh ben, Royaume-Uni annoncé là. À partir de 28 décembre, kap vin la, yo djou que yo pral prendre sanction contre nèg sa yo. Yo interdit yo voyager, ça veut dire que pas gen visa pièce pays. Bravo. Aïe 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 maman petite ma revan. Quand fou quoi sorti là m'ta chanter pour peuple là. Mes amis woy. Blanc bayon calotte marasa. Quand fou quoi sorti là pour m'ta mettre musique ça pour peuple là mes amis. Aïe aïe aïe. Moi même pas ba nous menti. Le nouvelle ça a tombé, yo fait bien. Yo fait bien, yo fait bien. Et m'pa ba nous menti pays a mérité ça yo. Nation a besoin de ça yo. Foucault taxe 69 à l'appareil. Et bon, oui. C'est de son Haïti. Aïe, aïe, aïe. M'papa nous menti. Situation complètement dégénérée. Et ça, gué là, n'a gué entravé. Moi-même, écoutez bien. Royaume-Uni annonce bagay la plus fragile toujours. Ça veut dire que devant ça que Canada tape prend comme sanction, Royaume-Uni joue ses blagues pour gagner sanction. Devant ça que États-Unis d'Amérique prend comme sanction, Royaume-Uni joue ses blagues. Mais qu'on grimpe pour que nous comprennent, comme ceux de nous c'est grand monde, nous va égarer. Moi, figure envie Moïse Jean-Charles Moïn. Et moi visage envie Moïse Jean-Charles Moïn, faut me prier d'avoir. Allez, faut me quitter. On visage à frais pour faire mes amis plateforme YouTube et Fubetouyo. Je te la fois émission avec cœur content.
n'a fait faut pour mettre sourire aux lèvres non parce que situation li vraiment li traumatise non mais effectivement n'a fait faut pour que nous capable gérer situation parce que bataille qui est là c'est bataille des fois faut que nous jeune appel famille amis plateforme YouTube faut mettre yo pour pas nous petit blague pour nous rire pour nous enjoy nous après ça bâton dans la classe écoutez bien le Royaume-Uni a annoncé yo pral couper visa depuis ces nèg qui n'ont financé gang dans pays d'Haïti nèg avec femme quel que soit monde que hier. Yo annoncé que yo pral saisi compte en banque nèg ça quel que soit pays sur la terre. Ça fait deux. Et ça qui est plus grave là. Yo pral interdit yo faire business même en dedans pays d'Haïti. Mais qui côté bagarre la plus grave là. Ouais là, pas gain route pas bois même, c'est rel c'est marée ceinture. Marée ceinture serré parce que Nations Unies, alors Royaume-Uni frappé. Mais go gain bagarre pour que nous connaît. M'a dit nos bagages qui est extrêmement important. Parce que nous sommes grands monde, nous sommes famille, amis, plateforme, YouTube, mais faut bête. Si nous mettons là, nous faisons confiance, nous sommes yeux nous avec oreilles nous. Mais justement, ça que compréhension pas, nous partager la avec nous. Ou du moins, c'est formation pas que ça que nous gagnons. M'a dit nous là. Écoutez bien. Les États-Unis d'Amérique, ça qui a été évoqué sous monsieur qui a un rapport avec, alors qu'il a un visa américain, qui réside aux États-Unis d'Amérique, eh bien, son groupe avocat, justement, qui travaille pour essayer de gros barons dans le pays d'Haïti, avocats sont extrêmement riches. Ils travaillent pour depuis sous la valance, donc ça multimillionnaire. Ils travaillent pour les oligarques pays d'Haïti, donc ça extrêmement millionnaire. Nous donnons qu'ils peuvent faire $100, $200 l'heure, États-Unis d'Amérique, mais comme si nous avons dit, ils viennent multimillionnaires. Par rapport, ils ont fait lobby pour la classe économique haïtienne, les oligarques corrompus dans le pays d'Haïti, donc ça multimillionnaire. Eh bien, donc ça, yo connaît droit ou bien. Yo gagne un pile gros. Alors, association avocat, gros cabinet, avocat tête chargé, qui connaît la loi américaine, comment ça fonctionne. Le, yo dit comme ça que, les États-Unis d'Amérique prudents, avec sanctions que le pral prend, avec des résidents américains et des citoyens américains, d'origine haïtienne quelconque, ou du moins quelques pays, qui n'ont financé gang dans le pays d'Haïti. Yo dit t'es prudent. Eh bien, effectivement, États-Unis d'Amérique, m'a fait nous comprendre ça que m'a dit nous là à travers et note que Royaume-Uni sorti hein pour montrer qu'il qui coupe que États-Unis sorti fait pour la promesse au pire toujours. Écoutez bien. Pendant que États-Unis fait back pour pas sanctionner monde qui réside la Cali par exemple les Mateli, les tout monde nous connaît qui réside la Cali et tout monde qui gagne et passeport américain. Eh bien États-Unis d'Amérique fait coup blanc. L'irresponsabiliser le Canada. Li senti comme si n'a dit et fait que le tatan dans le Canada parce que me dit honnêtement. M'a dit nous ça encore une fois. On m'a comprendre ni jonvle. Définitivement international décidé pour bay en bourade avec 12 millions moun qui dans souffrance yo. Parce que yo vinn senti que yo responsabiliser yo trop de tout ça qui a passé dans pays d'Haïti, de fait yo même, yo décidé pour que yo tourner. Bagala sou moun ki fon bram et criminel kap tout moun nan peyi a et fini fini avec classe moun sa yo ka fè politique ki se bois armé oligarque corrompu yo ki sa yo fè. Eh bien ki sa k passé États-Unis d'Amérique justement te bay Canada responsabilité pour Canada te fè pa la Canada sanctionné évidemment mais Canada poko pas frappé gens que États-Unis d'Amérique te souhaité là. Et mais États-Unis d'Amérique fait coup blanc. Là, elle prend Nations Unies. Elle passe par bois Nations Unies. Par Nations Unies, elle-même, elle vient pire du toujours. Ok? Alors, ma fait nous comprendre que, alors, Royaume-Uni, on a parlé de Royaume-Uni. Royaume-Uni annonçait des sanctions sévères. Et là, elle pire, oui. Elle dit que c'est dans le pays d'Haïti même. Attendez, il y a freeze dans le pays d'Haïti. Yop interdit nèg yo fè business nan peyi ya. Yop frise akaont yo partout à travers le monde. Yop coupé visa yo pa même ka traverser la République Dominicaine. Là c'est dernier coup pour tuer coco. Moi même pour le partager, moi pour le faire yon ti analyse ensemble avec nous sur ça. Et il y a quelques informations que moi pour le partager ensemble avec nous dans cadre émission ça. Mais tout d'abord, docteur Claude Joseph fait un petit parler avec Wendy Fell hier soir. Effectivement, nous pour le faire yon on t'y parle sous lit, dans la dernière partie de l'émission, ensemble avec vous.
il y a un point que nous allons aborder ensemble dans l'académie ça toujours. Surtout dans ce qui est pour avec une note que nous qui soi-disant dans le secteur privé des affaires dans le pays d'Haïti sorti, nous pourrons parler de ça parce que l'important dans pile monde qui réagit sur lui, mais justement dans l'info, nous pourrons prendre plusieurs réactions et nous pourrons dire en pile qui chante tout parce que dossier est compliqué, oui. Il y a extrêmement violent là. Il y a extrêmement violent et il y a pensé que comme si Nadjou a tué le monde. Pas de dire monsieur, on a une bagaille. Nous ne pouvons pas tuer le monde. Nous ne sommes pas capables. C'est impossible. Et peuple la comprenne. Peuple ici m'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, Jacques Ronel, c'est toujours un plaisir pour moi pour que m'assemble avec nous. Ça vraiment fait du bien. À chaque fois que me connais, m'a vienne partager moment ça ensemble avec nous et que me connais nous allons réagir exactement avec commentaire. Alors, c'est là que nous va dire tout ça que nous pensons. Eh ben oui, tout ça que nous comprenons. De ça qui dit dans l'académie sont pas nous. Qui passait sur la plateforme Panoua, qui est la plateforme YouTube Info Bertoua. Parce que l'éclair que, eh bien, nous tendez, nous comprenons, nous apprécions ce travail-là. C'est normal pour que nous capables de gagner, ça nous capables de gagner une réaction. Réaction Panoua, pas que nous sommes capables de faire, c'est exactement dans l'espace commentaire-là, quand nous déjà tout le monde, toute famille dans mes plateformes-là, à commenter, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous comprenez. Parce que nous ne pouvons pas nous mentir, et c'est nous-mêmes, oui. C'est nous-mêmes, oui, qui nous mettons à aller là. Capter des plateformes, cap booster des plateformes, cap commenter, cap partager. Qui fait que le résultat que nous avons là, nous avons oui. Et je dis honnêtement, moi-même senti que ça que le Royaume-Uni a annoncé là, les plus fragiles, que ça que le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies, je me sens qu'il y a plus à traîner. Mais justement, nous sommes capables de comprendre ça, que c'est un monde là qui est et de ces mondes là qui a traité Haïti. Et il y a un dossier Haïti en tout, il a annoncé que à partir du 1er janvier, à partir de janvier, il y aura le retourner avec des sanctions, il y aura le prendre sanction contre tout le monde qui a financé dans le pays d'Haïti. Mais le Royaume-Uni lui-même n'est pas printemps. Il dit 28 décembre. 28 décembre, et ou même l'obtention de l'émission ça, par rapport avec ça que je dis, ou devez partager l'émission. Hein? Parce que il y a pile parole qui nous va le partager ensemble voilà. Et partager l'émission hein, pour que vous capable faciliter plus de monde. Et participer ensemble avec nous. Parce que, je ne vais pas nous mentir, ça, il y a un peu de nez qui pas bien. Ou imaginez, André Michel a annoncé à l'époque, les Jovenel Moïse étaient au pouvoir, malheureusement, pas dans la fête. Nous, et après l'assassinat de Jovenel Moïse, décembre 2021, André Michel a fêté. 22 décembre, nous avons fait Tony Mix, dans le show, dans la caille boulot, c'est quand il était. Mais quand je ne vais pas la voir là, André Michel n'a pas fêté. Ou bien, comme d'amour, n'a pas fêté. Parce que blanc, il y a juste toute volonté net dans le pays. Et m'a dit nous ça va peuple haïtien. Et ça cause grande proposition qui kembe dans le pays, ces propositions comité 100% diaspora avec plateforme PDH et Boussa John TV madame Jolene et qui sont belles propositions que vous mettez sur table, mais espérer que vous continuez à parler avec toute population haïtienne dans mon province pour que chaque département ait deux monde qui représente dans le gouvernement pour faire élection parce que 2023 c'est après année électorale. Son bataille électorale qu'elle a gagné élection. Je dis ça clairement. Année 2023, c'est l'année électorale qui est bien. Ça veut dire prendre responsabilité, nous prenons l'élection. Nous prenons l'élection avec le peuple, avec la nation, avec le pays. Ça veut dire que en une bataille là, si nous avons retiré Ariel Henry à partir du 2e lundi, ou bien tout premier et 7 février, pour nous retirer Ariel Henry pour nous mettre au gouvernement. Comme si qui au gouvernement interdépartemental. Avec deux mouns dans chaque département, et juste pour essayer de voir six mouns, ça n'a pas qu'on qui peut se cliquer, qui n'a pas pété. Mais mission, c'est sécurité, référendum, élection. Faire des routes là. Trois points. Nous avons besoin encore. Sécurité, référendum, élection. Vous voyez, madame, quand vous avez un cob, nous avons un cob là dans le gaz là. Nous avons suspendu le cap fait 84 millions de dollars américains, nous avons pris 84 millions de dollars américains, ou bien 50 millions de dollars américains pour faire élection dans le pays. Nous n'avons pas besoin de cob ça. Trésor public n'a pas capable de 50 millions de dollars américains ou de 100 millions de dollars américains pour faire élection de pays. N'a pas jeune comme ça. Et ma petite population, suspend voter pour 1000 gouttes. Suspend pour 1000 gouttes dans mes vagabonds, dans mes voyous, pour nous voter dans le pays. Suspend avec ça. L'important, nous allons parler de Kishoy. Et Foucault a questionné à l'appareil avant que nous traversions dans l'autre point. Nous avons pris un petit poser avec Foucault. L'important. Qui s'y parle, qui n'y va.
Foucault ak 69, Negyo Gobe Jojo, ak Rash, ak Dalil, ak 47. Foucault gèle kon zap, mes amis, t'as de cause, gèle go se zap, Foucault ap répété. Et voilà, et n'a pas entré exactement dans le dossier, dans le point que nous venons aborder ensemble avant l'académie, surtout le dossier qui d'actualité. Yo. Et c'est ça qui est pour avec le dossier sanctions. Qui tout d'abord, nous venons faire parler ensemble avec vous. Et, Jacques a annoncé là, et le Royaume-Uni frappé. Ça veut dire que après le Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, et effectivement, c'est tout pas Royaume-Uni. Et mais ça qui passe. Royaume-Uni définitivement décidé pour que il prend des sanctions sévères parce que cap pays d'Haïti est très spécial. Et m'a dit nous, Haïti, dossier Haïti, il parle dans tout le monde là. Il parle dans tout le monde là. Et président dominicain Luis Abinader quelque part, il parlait avec communauté internationale encore pour regarder comment on était capable de réagir, presser sous crise et qu'est-ce qu'il y a gang dans le pays d'Haïti, pour qu'il y ait une mate gang dans le pays, et il y a un pile de monde qui pourrait la contre-pied. Mais quelque part, moi-même, franchement, je cherche une partie qui est la calme. Une partie côté la malgré les Haïtiens, tous les Haïtiens. Là, je suis complètement, je ne suis pas toléré, monsieur, dans ça. Et moi, franchement, je suis toujours conduit ça, comme je dis, et m'assumer jusqu'à maintenant. Mais quelque part, pas grand monde qui t'a comme si m'a dit gon ti crasse moun la kayo même pour une seconde pour pas ta réfléchir pour ça qui passe haïtien l'inacceptable. Mes amis, des êtres humains chrétiens vivants, le même garder pour moi un groupe nèg débarqué la kayo, un groupe moun k'ap dormi bon 2 3 heures du matin yo djou nan kanaran sous mat la. Si kay ki fait un bloc rasé, morceau bloc en tol, n'ka vide balle sou moun yo pendant y a dormi. Moun ki pa pran balle ki ou du moins ki pran balle ki pa gete mouri, ki pété kouri pendant y a kouri n'yo fizye yo et puis al mette du fe sou yo. Sak pa fin mouri yo boule yo tout vivant. Mes amis, l'op gade ça dans pays. Ou se chrétien vivant que ou yé. Pou konnen son groupe moun ki nan politique avec n'k ap fait business, k'ap gérer intérêt économique. Ki mette ça dans pays an. Qui a gagné pour pas parler avec moun sa? Et ça cause le moun moun a dit comme ça que ou gen problème avec qui sont les sanctions au Canada? Franchement, pas pour au sérieux. Qui sont besoin même? N'est-ce que volant la justice impuissant? La justice haïtienne impuissant par rapport avec monsieur Sayo. Parce que c'est occupé juge. C'est occupé juge ciment pour le faire caille. C'est occupé le terre pour le faire caille. C'est occupé le machine pour louler. C'est comme si juge pas qu'à faire rien. Je suis impuissant par rapport avec la classe politique haïtienne et la classe économique haïtienne. Nous devons connaître ça. On nous reconnaître. Bien que il y ait des gens qui t'aiment faire effort. Mais quelque part, nous, que nous avons maté ou fait un coup qui te paye. Mais quand plus, je qui choisis volontairement, ils ont été dans la corruption. Par exemple, dans cette ville, son petit volant, un petit pas sérieux, un petit pas honnête, comme si nous avons fait un fatra comme ça, ou un qui s'accueille la fin de la justice toujours.
Après, quand un pays ou faire, ou pas tout faire réforme dans le système judiciaire là, ou pas tout voir tout juge à net, ou tout prendre, ou tout voter loi, ou tout voir tout juge à net, ou tout mettre tracé une ligne, mettre des critères. Mais qu'est-ce qui a juge dans le pays là? Parce qu'il est bien. C'est pas tout ça qui a passé dans le pays là. Après, nous ne pouvons pas connaître. Ou m'a fait émission ça avec nous dans la machine là. Oui, comme si nous créons moyen. Nous, comme si nous pas pour compte nous. Mais nous trouvons le normal. Parce que nous avons fait bataille, nous avons fait un gros paquet de nez comme si nous avons fait pour tout. Nous obligés comme si nous avons fait machin. Non. Qui va dans le sens, moi. Qui va dans le tempérament, moi. Est-ce que vous comprenez? Mais en Haïti, comme si. Nous sommes en Haïti quand nous parlons avec nous là. Mais nous pouvons parler la vérité. Un groupe nèg qui a voyé des policiers venir tout au physique, venir tout au, venir assassiner. L'on pense que c'est policier qui a campé pour checker papier machine, pour mando, comment elle est. Licence. Il m'a dit papier machine, tout ça. Et pas ça. Comme si c'est un gars qui est pour là et puis il met tout machine. Et Haïti, quand il m'a parlé avant nous là. Tout le monde qui a mouru à Haïti. Il n'y a pas de bagarre qui passe dans le pays. Quel que soit qui a une discussion avant, il y a tout par rien parce que les papes arrêtés. Depuis, bon, si il y a 10 000 américains, même, bon, moi, tu vas pas vivre même. Chaque nègre qui a 10 000 dollars américains, qui a un vieux comportement dans le pays d'Haïti, il y a des amis qui sont nivelés. Parce que le juge a pris 5 000 pour la gueule. Le juge a pris avec 5 000 pour la gueule. Il a dit, pas fait ça encore, mon cher. Ou tout le monde a mis là, oui. Ou bien soit tout le monde a mis là. Mais c'est 5 000 dollars juge là qui est intéressé. Nous devons comprendre que, gang qui a pris tout le monde en Haïti, c'est des gens qui n'ont pas compte, qui ont fait business, qui mettent gang. Écoutez bien. Et ça fait que, encore une fois, l'important pour m'ta faire nous tendre et ti intervention ça ba moi si m'ta jeune là parce que m'envie partager ça ensemble avec nous. Honnêtement, ça fait mal en pile, li extrêmement fait mal. Et ça fait que le moment on a parlé des sanctions États-Unis d'Amérique, moi comme si m'ta jo et moi comme si m'ta jo nous méchants avec propre tête non. Et tendez bien oui, tendez bien. Et m'va faciliter nous vivre ça avec moi. Ben moi pardon et pardon parce que ça si m'étais capable de partager la veine nous t'as comprendre mieux ça qui m'avait dit non parce que gagne un journaliste qui font intervention sur ça moi même personnellement me bat bravo pour lui parce que monsieur allé dans même sens ensemble avec moi on t'a permettre nous tendre dans voix journaliste là pendant que nous gagne des commentaires et si nous capable c'est connexion bah nous chance ça on devrait partager la veine non normalement et gars nous pas gagne chance là et me senti qu'il pas facile mais en gros m'a dit nous ça honnêtement gang n'a gardé qui sous canaran qui a fait massacre sous peuple là jodi a gang ça qui est-ce qui mettait c'est ça pour nation qu'on connaît c'est des hommes d'affaires qui n'ont compte entre eux jodi a qui annonçait que yo met tête ensemble. Et on a compte entre eux, eh ben, justement, ils ont décidé pour que ils ont tout le monde dans le pays. Parce que ils mettent gang, parce que là, on a compte, qui s'est passé? Là, on a compte chaque nègre qui n'a compte, ils mettent un gang non coin dans le pays. Ils mettent un gang non coin dans le pays. Gang, ça, qui est-ce qui a tout? Moi-même, ou même, cousin ou cousine, frère avec soeur qui dans le pays. C'est moun ça qui a tout. Et anoué sin ta passé là et il est important anoué sin t'attendre ça c'était vraiment ça intéressant Johnny Ferdinand de Radio Télévision Caraïbes FM dans pays d'Haïti belle intervention ça mérite un applaudissement parce que là dans même sens ensemble avec m'entendez ça hein bon série de et connexion pas vrai pas les bonnes chances mais n'a pas si n'a passé et honnêtement et bien bon série de c'est pas facile. Anyway, et m'a pas annoncé nous ça. M'a dit nous que et gonsé des nèg qui dans secteur privé a jodi a et qui décidé pour que yo mette tête ensemble, yo dit que tout d'abord, yo fait la paix entre yo. Yo met une fin à division qui était entre yo et pour que et calme, stabilité
capable revenir dans le pays. Et on lance un appel solennel. Et on appelle pressé, pressé. Bon côté, et dirigeant politique. Pour que yon signe un accord pressé, pressé. N'a pas dit que, ça veut dire un plus bref délai. Et pour que yon mette un gouvernement, transition sous pied. Et justement, qui parle pour faire des routes et réaliser l'élection. Je dis, on parle d'élection, oui. Et on dit, c'est la dernière transition. Il y a campé pour cette dernière transition qui fait dans le pays. Mais là, Jovenel Moïse a dit, c'est la dernière transition qui fait dans le pays. Il y a tout y a le bout ça. Et mais qui s'est passé? M'a dit nous ça encore une fois. Le monsieur ça, il y a divisé. Ça cause, ouais, m'a salué ou Babankou. Babankou dit qu'on ça lui-même, il pas partagé notre ça, que, qui bourrait avec hypocrisie, que soi-disant, des hommes d'affaires dans le secteur privé si. Et du monde ça yo, tout contrebandier ça yo, faut qu'il t'assistent faire contrebande dans le pays. Avant que c'est notre ça. Et m'a dit nous, nous avons pris pressé dans notre là. C'est tout le monde qui prend sous liste des sanctions. Le Royaume-Uni, le Canada, la France, les États-Unis d'Amérique en général, Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est tout le monde qui a sanctionné. Et le Royaume-Uni a annoncé que le monde ne prend pas qu'à faire business même dans le pays d'Haïti. Et ça cause, je dis, même qui dans la diaspora, comment c'est sans des petits cobos. Moi-même, je vais mettre à voir si je vais mettre tout ensemble pour descendre en bas. Parce que je me dis, le projet pas maintenant, c'est pour me clean le pays. Opération yon pèl yon boîte balé, m'pa konnen si la pou compagnie pou de mettre sous pied, mais sauf que son on travail que m vle faire pour pays. Opération yon pèl yon bourette yon balé pou de pays sorti dans saleté ya, dans fatra la bout de le sentir. M'pa konnen si son compagnie que m'ap joine 10 moun 15 moun dans diaspora et de mettre sous pied pour nous servir pays ya, mais sauf que l'idée c'est que yon pèl yon bourette yon balé c'est pour nous clean tout territoire pays d'Haïti pour nous retirer fatra qui ça fait que pays que m'a vivre là li propre parce que moun yo utiliser pelle là bourette là baléa pour yo clean pays ya yo rend pays yo service ça pour qui ça la ka nous pas clean pour qui ça l'on haïtien qui te pays d'Haïti le la boue par exemple yo bidon de l'eau dans la rue li tonne c'est le lever la caille pour prendre bidon de l'eau pour la mettre dans espace qui fait pour ça dans poubelle quelconque pour qui ça en Haïti. Quand on boit bidon de message de loi, on a camionnette là, on a machine pour volant, on a qui voler dans la rue. La rue pas poubelle aux amis. La rue c'est salon nous comme peuple. Ça veut dire que les doués propres. La rue c'est visage nous. La rue pays ou visage pays ou c'est image ou comme peuple. Si pays ou sale tout comme peuple. Et ben moi-même, moi viens avec opération yon pelle, yon bourette, yon balé. Et quelque chose agence ça y est, jodi à demain la prendre en application. Et ça cause moi travaille sur lui en pile, projet à Lila. Dans toute égalité, ça fait nous pas atterrir. Il y a plein d'amis qui participent, oui, qui tellement aiment mes projets, qui disent, comment nous capables de supporter? Il y a des gens qui disent, bientôt, m'a voyé 200. Il y a plein de gens qui participent déjà. Mais nous avons une base. Il y a plein de bagages qui nous mettent sous pied déjà. Je ne peux pas dire, est-ce que nous devons nous trouver que nous avons des matériels? Nous avons plein de bagages. Parce que la base, c'est dans le pays d'Haïti. La base, c'est dans le pays d'Haïti. Et ça cause, nous avons, l'homme t'a prôné l'opération Yopel Yombo et Chambalé. À travers tout le pays, et puis nous te ouais pour sommet qui sont passé là, ça veut dire mois de juillet, et puis nous avons Johnson Napoléon, OK James, te prends pelle, bourrette, balé, et t'as clean au Cap Haïtien. Et puis tu étais tout invité diaspora haïtienne, non, viens participer dans vacances au Cap Haïtien. Et puis nous te ça te une belle réussite. Effectivement, nous te battons bravo. Parce que moi, c'est pelle, bourrette, balé, cap continuer. Moun pas de pète continue à prendre pelle yo. Moun Jérémy te prend pelle yo, bourrette yo, et te relève dans le téléphone, et tu dis bientôt, ça ou vini comme projet, papa, nous menti. La paix de nous sorti dans la saleté. Et même te bat bravo. Il était important. Et mais justement, pour nous continuer pour me dire, pays a des possibilités pour le clean là. Peuple a un pouvoir dans la main, il peut même quand même comprendre. Diaspora a un pouvoir dans la main, il peut même quand même comprendre pouvoir quelqu'un dans la main. Qui pouvoir que lié? Je dis, quel que soit haïtien qui est dans la diaspora, qui a des moyens, qui a l'argent, ça veut dire qui a des moyens économiques, à nous commencer à sembler, nous commencer à mettre nous ensemble pour nous définir quelques plans, pour nous venir rentrer du riz, sucre, maïs, fait, tout produit qu'on connaît dans le pays d'Haïti. Parce que, nous qui dans le secteur privé, nous ne sommes pas capables de rentrer encore parce que nous allons bloquer nous sur tout le territoire, pays, nous avons besoin de l'autre monde qui peut investir dans l'économie. Et ça fait, sur les gens qui sont étrangers, qui ont l'argent commencé, parle ensemble avec elle, dit le pays d'Haïti pour le clean, ou pour commencer à inviter pour le pays d'Haïti. Sauf que c'est sécurité que nous avons besoin. Nous qui mettez instabilité, mettez insécurité dans le pays, vous n'êtes pas capable de payer encore. Bataille ça, c'est bataille chaque grain dans nous qui est lié. Ok?
comment se préparer nous? On commence à parler de ça, parce que nous avons pouvoir dans nous, nous avons compte de pouvoir ça. Mais nous avons pouvoir devant nous. C'est ça que je dis clairement. Moi, Haïti, que je bataille pour l'IA devant. Sauf que moi, puis quand on a tout, même dis-nous clairement, ils ont envie avec toi, toi force sur eux. Ils ont envie de négocier. Ils ont envie de négocier, pas ouais? Ouais, groupe ou coalition d'assassins qui kidnappent eux, qui dans le secteur privé, ils parlent d'eux, ils mettent tête ensemble. Ils font la paix entre eux. Mais ils ne font pas la paix avec la population. Groupe gang qui est au gamba, ils ont des gangs, pour rentrer tout ça, ils ont cherché des amis, ils ont dit, ils ont pas fait. Parce que conflit ça pour qu'on finisse résoudre entre eux. Ils mettent tête ensemble pour blanc, t'es capable de pas arriver avec section. Mais les Nations Unies ne pas prendre ça. Ouais, ils ne pas prendre ça. Le Canada ne pas prendre ça. La France ne pas prendre ça. Ça veut dire qu'il y a sanctionné les gens sous quelque forme. Non, et sévèrement. Pendant que les États-Unis d'Amérique ont des lois à la Kaili qui permettent qu'ils ne pas sanctionner. Mais quelque part, je pense que y a deux grandes possibilités. Ils sont capables de faire, le gouvernement fédéral est capable de sanctionner les gens directement. Sanctionner directement. Ça veut dire que Boulos soit pour qu'on soit sous les sections 28 octobre. Boulos a sanctionné. Alors, je dis 28 octobre. 28 décembre, pardon. 28 décembre, quand vient dans quelques jours encore, Boulos avec Dimitri Vob a sanctionné. Mes paroles en pile là. 28 décembre, Boulos avec Dimitri Vob a sanctionné. Ouais, il peut le frapper. Mais quand il y a ça qui m'a dit, non, qui est important. Encore une fois, nous avons passé ce que nous avons passé pour nous doter de notre là. Et il n'est pas facile du tout, malheureusement. La connexion ne pas permet nous. Et il n'est pas permet nous du tout. Et il n'est pas permet nous du tout. Mais effectivement, on a essayé. En fait, dans notre que M. Sotia, il a dit qu'il fait la paix entre eux. C'est ça que Johnny Tabal dit là. Il n'a pas de chance d'entendre. Il fait la paix entre eux. La paix entre eux veut dire qui ça? Il a accepté que il a été gangsterisé pays. Il a gangsterisé pays. Mais c'est un côté qui est grave là, monsieur. Regardez pour moi, et le commissaire des Nations Unies, sorti une note là, il dit comme ça que pour le mois de novembre seulement, il y a 75 personnes qui ont assassiné avec cartouche. Des policiers, citoyens de la population civile là, ils ont assassiné avec cartouche. 75 personnes. Mois de et octobre, il y a plus passé 200 à 300 personnes qui ont assassiné. N'importe quoi, là. Gang armé. Qui a assassiné les gens. Il y a plus passé 200 à 300 personnes. Que gang armé assassiné. Qui est-ce qui mette gang armé? Le, ne qui dans le secteur privé a divisé, yo chaque qui mette un groupe gang campé devant le business par yo. Yo bal zam, yo bal l'argent, yo bal munition. Qui est-ce qui touye? Population civile là. Je dis à Blanc dit, pas de possibilité pour protéger nek sa ou même dans le pays ya. Et bah, Jovenel Moïse te dit que te gang, pour qu'ils ont pas sanctionné Martin Moïse. Et bah, Jovenel Moïse te dit que te gang, pour qu'ils ont pas sanctionné Claude Joseph. Et bien, Jovenel Moïse, te dit que t'es gang, pour que ça pas sanctionner tout le monde qui t'a collaboré vraiment avec Jovenel Moïse. Même ça, me besoin, et bien, pour nous comprendre les tout. Ça veut dire que, les nègres, ils divisent entre eux, ils mettent gang dans le Canara, ils mettent gang dans le Kwadebouke, ils mettent gang dans Delma 2, ils mettent gang dans Delma 4, ils mettent gang Cité Soleil, ils mettent gang dans la Saline, ils mettent gang dans le Village de Dieu, augmenter force gang, sous Matissan, pour qu'à bloquer en bas. L'autre, ça qui m'a dit, nous, qui est plus fragile, que nous deux connaissons, ils ont crime contre l'humanité, ça y est. Bateau Miss Lili, bateau El Shaddai. Nous connaissons ça. Est-ce qu'on est avec Port-au-Prince? Décidez pour que vous vendez bateau Mounio pour bateau ça y est, capable de faire trajet. Port-au-Prince, waf, pour la marine, et puis Okaï, et dans le grand sud de la générale. Ça veut dire que Matisse n'a pas bien débloqué. Non, mais c'est vol au bateau Mounio, oui. Soit disant, vous allez faire vente aux enchères. Avec bateau Miss Lili et bateau El Shaddai. Moi, ma petite peuple ici. Nous allons être pile temps. Mettre bateau Miss Lili. Mettre bateau El Shaddai. Bateau ça nous pour nous récupérer. Et c'est bataille ça qui a fait nous récupérer. Parce que c'est un but qui a fait nous. Tout le monde connaît la justice là, c'est le commandé Zamni.
Yo arrêté toute équipe li, tout allié, yo révoqué le commissaire de justice. Pour qui ça n'a fait moun yo passé misère? Pour qui ça moun yo passé à paix pour ça? Qui est-ce qui est chargé pour vendre bateau moun yo? Comment est le citoyen ça? Yo le monsieur Georges Racine. Georges Racine fait nous connaître que c'est frère madame Ateli. Ou bien bon frère Ateli, m'pa connais. Georges Racine. Moi je voulais encore une fois nous même comme haïtiens pour que nous prenions responsabilité nous pour une bataille avec colonne gang sa yo qui n'a pas de Port-au-Prince qui pavent les paysans émerger économiquement. Parce que je dis ya, réforme nan, li doit commencer fait. Douane nous yo, pas nous yo, nous devons retirer yo dans mes secteur privé. Mais côté l'État pour faire l'argent. Ou même qui nan la diaspora cap bataille pour que vous rentrez dans la politique pays d'Haïti, premier bail pour que vous rentrez tout. Ma vie ne fait business dans le pays. Mais pas douane nous yo, faut que sorti en bas griffe coalition d'assassins dans le pays d'Haïti. Faut que c'est l'État qui contrôle pas l'État. Faut que c'est l'État qui contrôle douane l'État. Pas que nèg cap gen contrat ça ou encore. Je venais même chez Jovenel Moïse te couper yo. N'après pour contrôle li et tout nèg qui fait cob dans douane yo, dans port yo. Après que Jovenel Moïse te couper contrat, ou a bail l'État comme ça. Soit bali, comme si m'dadjou, à l'amiable, ou bien bali, à ma coûte manchette population, comme des criminels notre, parce que nous foutons méchants trop. Nous criminels trop, nous gang trop, nous finons avec un peuple, nous finons avec un peuple, comme son pays, ça, il n'est pas prêté impuni. Et ma petite population, moi encore une fois, moi intéressant, m'te dit, son bataille grenne bouda qu'elle y est. Pendant toute année 2022, nous faisons bataille de sensibilisation, de mobilisation, pour que aider nous comprendre la réalité, pour nous mettre dans le pacte, pour nous battre avec monsieur, et bien justement, 1er janvier 2023, c'est bataille corps à corps. C'est bataille pour marcher pour monsieur physiquement. Parce que bataille grande dans le bouddha qui est lié, nous ne pouvons pas nous langue, nous ne pouvons pas mourir, parce que nous disons clairement, pas gagner de mourir. Son jour est fait, son jour est mourir. Mais c'est la vérité qu'a fait des pays, ça saute dans sa quelle trouvée là. Soit nous filons machette nous, pour nous prendre monsieur physiquement, ou bien tout physique, tout nous tous, parce que nous ne pouvons pas mourir, nous ne pouvons pas mourir dans le pays. Il n'est pas possible. Faut que réforme soit faite dans l'État. Faut que citoyens qui dans la diaspora soient capables de faire business dans le pays. Ok? Faut que nous ayons pas l'État. Faut que nous rentrions en conteneur pour travailler comme Simdadjou pour ne pas venir dire oui, tel produit dans le conteneur, c'est le gain droit pour rentrer dans le pays. Faut que le monopole ça soit fini, coupé. Que ce soit le monopole là, faut que le fini dans le pays. Et nous avons fini avec sur toute forme, peuple haïtien. Moi, je dis nous avons fini avec sur quelque soit j'en sais rien, nous avons fini avec ce monopole là. Il doit finir. Le nèg yo divisé, yo mette gang tout partout, yo kidnappé nous. Comme ça qui pi grave encore une fois nous connaît. Gen deux banques dans pays d'Haïti. Deux banques dans pays d'Haïti, mettre banque ça dans kidnapping. Kidnapping n'est pas la jambe campé. Si c'est pas blanc tabac en bourade, kidnapping n'est pas la jambe campé dans pays là. Écoutez bien. Ou gagne chérif Abdallah. Deuxième PDG Soje Bank. Chérif Abdallah. Monsieur dans kidnapping. Monsieur, dans tout ça, parlons dans tout le monde dans le pays. Chérif Abdallah, blanc sanctionnel. Je dis à M. Deltois, soi-disant, démissionné dans la tête de banque client. Pour beaucoup, pour voler, gang. Chérif Abdallah, égyptien, bien commissaire. Palestinien ou bien égyptien. Nous avons notre là, oui. Nous avons montré, oui. Côté lui, chérif Abdallah. Et chérif Abdallah, côté lui, compatriote, moi, yo. Moi, si je me partage là avec nous. Et chérif Abdallah. Et chérif Abdallah. Ok. Ben, nous, qui est-ce qui est chérif Abdallah? Meni. Et notre la langue, oui. Chérif Abdallah, monsieur c'est égyptien. Monsieur né en Égypte 18 août 1958 d'une mère italienne et père égyptien et à Washington. OK, à Washington il a rencontré sa future épouse Sabrina Léger. Sabrina Léger qui est définitivement en Haïti. Et Sabrina Léger, ok, Sabrina Léger ça. Et justement, il y a des gens qui sont débarqués en Haïti en 1981. En 1981, ils sont débarqués dans le pays d'Haïti. Écoutez bien, oui. Et en 1981, il s'installe en Haïti. Il obtient un poste chez Gérard N. Léger, le père de Sabrina, sa nouvelle épouse. Et tant contrôle des assurances légers. Ok.
ALS, ça c'est une société, il était venu gagner contrôle la situation et de César et puis il était venu acheter société ça. Chérif Abdallah et le dangereux patron de l'ombre. Il n'est pas trop connu du grand public, mais il pèse lourd sur le quotidien de tout un peuple comme un démon. OK? Il agit sans effet. Remarquez, à lui seul, il est capable de sombrer le pays dans n'importe profonde, dans n'importe profonde crise quand il souhaite. Il est l'homme de tout monopole vitaux et de suivi du peuple haïtien. Voici quatre éléments faisant Chérif Abdallah le plus puissant chef mafia en Haïti. Premier bagage que monsieur contrôlé gaz. Et le gaz, à travers son entreprise, Novum, entreprise de distribution de gaz. Chérif Abdallah est le principal distributeur de gaz en Haïti. Il fait ce que produit Transversal, son âme la plus redoutable. Il utilise, ok, pour faire chanter tout le monde, les gouvernements qui résistent à ses caprices, c'est gros causé, oui, de petits bourgeois étrangers racistes, les entrepreneurs des business qui consommait beaucoup de carburant, etc. Il est capable de provoquer de la rater sur les marchés pétroliers. Nous te connais ça déjà. Effectivement, monsieur contrôlé transport aérien. Ça veut dire que bagaille qui sont bagaille avion. Troisième bagaille que monsieur contrôlé dans le pays, c'est assurance fantôme. Son assurance, pas qu'on assurance ça non lui-même. Et quatrième bagaille que monsieur contrôlé, le grand boss des maquettes. Le grand boss de market, je ne sais pas qu'on est. Le grand boss de market, ça veut dire contrôler évidemment plusieurs secteurs sur market là. Mais en gros, ça qui m'a dit non. Chérif Abdallah, son criminel, son raciste, son voyou qui parle de haïtien, mais qui a milliardaire sous le peuple haïtien. Mais ce sont dangers. Mais ce sont criminels notre ordre. Mais ce sont assassins. Nous devons éradiquer, nous devons chasser en dedans pays. Son nèg depuis le vle tout yo. Pas n'importe qui moyen la foutre tout yo comme peuple. Parce qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas tout. Il est égyptien. Il est italien. Il n'a pas de pointe haïtien dans lui. Et mais normalement, c'est ça qui est Chérif Abdallah. Il est PDG Unibank tout. Ok? Il est dans Novum. Novum, nous connaissons. Il a fait 42 millions de dollars américains dans Gaza que Jovenel Moïse a coupé. Il fout tout et Jovenel Moïse pour ça. Ben nous, si nous avons partagé. Photo Chérif Abdallah ensemble avant, bon moi si m'ta gen là, Chérif Abdallah, Chérif Abdallah, et côté li, Chérif Abdallah, et nous doué gen ensemble avec, est-ce que nous, voilà, et ok, mais Chérif Abdallah, meni, Chérif Abdallah, voici Chérif Abdallah, really? Yon milliardaire, nèg sa kap lete l'état haïtien hélicoptère 36 000 dollars le. OK, 36 000 dollars américains hélicoptère pour 60 minutes. Et ceci contrat ça toujours fait c'est pour un mois. Non jour gen 24 heures de temps. OK? C'est nèg ça. Monsieur son criminel notoire et son raciste. Son équipe pas vle wè haïtien mais qui remet l'argent Haïti. Son équipe pas vle wè nèg tête green. Mais qui remet l'argent avec tête graine. Les multimillionnaires sous deux peuples là. C'est PDG Soje Bank dans le pays d'Haïti. Kidnapping n'est pas suspendu. La justice impuissante, la justice pas arrêté. Vous comprenez? Yo c'est, yo représente un pays, comme si on a dit, yo c'est consul dans le pays d'Haïti. Yo c'est agent consulaire. Soit Égypte, soit Palestine, en dedans pays là. N'est-ce pas le seul bagage au café avec yo, oui? Bat pour gagner information là dans le pays. Pour 500 000 moun filer manchette yo.
Al prend parce que chérif Abdalla, il t'a doit passer ba manchette chaque grand haïtien même. Chérif Abdalla toi pas t'a doit passer ba manchette chaque grand haïtien. Chaque grand haïtien t'a doit goûter et chérif Abdalla. Pour que tu t'es monde qui est autour dans pays ça. Quand tu t'es monde qui est autour disparaître dans pays ça. Chaque grand haïtien t'a doit pour on partir dans connect ça yo parce que c'est des criminels notoires. Ils c'est des assassins. Évidemment peuple haïtien et c'est pour ça nous t'a fait ensemble avant. Pour que nous traversions notre interview que Dr. Claude Joseph a gagné à le réaliser avec journaliste Wendy Fell de Unis son nom. D'accord, nous allons faire un petit partage ensemble avec vous. Et effectivement, nous allons faire un petit partage ensemble avec vous. Parce que nous allons faire un petit commentaire sur l'interview ensemble avec vous. Et Wendy Fell. Il est important pour que nous gagnions un petit parti dans l'interview ça. Il est intéressant. Très bien. Et nous allons faire un petit tandé, Wendy Fell avec Dr. Claude Joseph. Et nous essayons d'apprendre là. Caribé qui était chargé avec monde. Mm-hmm. Plusieurs centaines de milliers de monde. On allait là. Essayer une un bagaille qui est un peu différent. Par exemple, tu as parlé avec un confrère journaliste qui a commenté des images que tu vois que Claude Joseph est parti à l'étranger avec des cadres de son mouvement politique, allant en Espagne, à le suivre des formations, etc. Ce qui est très très rare, mais si, pour ne pas dire inexistant, et jodi à la politique dans le pays d'Haïti. Dans la mesure où on n'est qu'à faire politique dans le pays d'Haïti, ou créer un parti politique, mais un parti politique là, l'y créer autour de leur propre personne. Ça veut dire pas une possibilité pour l'autre jeune. On cherche une sorte de visibilité et ça nous fait avec aider nous pour essayer tout ça. Donc selon ça me comprendre, perspective et ambition aider, c'est venir avec une lotte politique qui pourra le mettre Haïti dans la dimension que le supposait hier. Et ça veut dire à long terme, aider ce pouvoir. Oui, bien sûr. Alors d'abord, j'en souviens tout à l'heure, Wendy, c'est un parti politique qui voulait moderniser les pratiques politiques en Haïti. C'est-à-dire que nous pas croyons que nous devons agir même avec des politiciens traditionnels qui sont armés, il y a armé jeunes et timon nous pour faire des chantages politiques. Nous pas croyons ça. Nous croyons que nous croyons en formation, nous croyons que nous avons animé la vie politique là. Côté c'est mon yo qui peut être projet. Et nous parlons pas de ce qui sont pour projet à tout à l'heure parce que moi-même j'ai débattu pour là qui vraiment et je ne peux pas espérer dans la dynamique politique en Haïti. Donc, c'est moderniser les pratiques politiques, c'est canaliser l'énergie, je suis capable de dire bon côté, pour nous rassembler autant de monde qui est sensible à développement pays. Effectivement, toute partie politique, notre objectif, c'est pour le pouvoir. Donc, nous-mêmes, tout, notre objectif, c'est pour le pouvoir. Mais alors, il faut dire, ce n'est pas on fait en soi la prise du pouvoir, c'est plutôt un moyen vers on fait. Faire, c'est construire en Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Ouais, donc c'est prendre pouvoir pour nous construire en Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Donc ça, mon capable de dire, c'est que nous sommes là. Et moi-même, et j'en dis, en Haïti, il n'existe que des hommes partis. C'est-à-dire que c'est des mouns qui ont des idées dans la tête et puis ils font pas qu'ils vont marcher derrière eux. Donc c'est eux, après eux, pas qu'un autre, c'est eux-mêmes, c'est fini. Ouais. Donc, moi-même, je pense que nous-mêmes, nous avons un leadership collectif, participatif, qui développé et en empathie, qui fait que pas grand leader définitif pour tout temps. Donc, c'est à travers les élections où changer d'ailleurs personnel politique en empathie, changer régulièrement. C'est-à-dire que ou pas capable de faire démocratie via non-parti politique, c'est eux qui est éternel là-dedans. Donc, c'est ce que j'appelle des hommes partis. Donc, nous-mêmes, nous voulons finir avec le paradigme des hommes partis pour un véritable parti politique qui crée des conditions d'émergence pour les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes leaders qui viennent dans le parti, il faut avoir espoir demain qu'ils soient capables de venir diriger le parti. Donc voilà, c'est différent. Ce n'est pas des hommes partis, mais c'est plutôt un parti politique qui respecte, qui est capable de dire fondamentaux. Dans sa guillemette avec organiser société. Très bien. Donc, aider, nous capables de comprendre, nous-mêmes, comme regarder là, les gars ont volonté, hein, Claude Joseph, qui est chef parti, ça, il pas seul, il a un groupe avec lui. Et là, nous capables de saluer Mme Civil, nous, qui toujours fait déplacement avec Claude.
La volonté, c'est aller vers le pouvoir. Pour arriver vers le pouvoir, il y a une bataille qui peut faire tant sur le plan international que sur le plan national. Nous, ouais, là, tout est vivant à peine dans l'international. Là. En tout cas, mais je dis, nous connaissons les gens politiques pays structurels. Là, c'est surtout Haïtien, Haïti, qui baille pouvoir. Cette noix internationale là, ou Abgoumé en tout cas, pour implanter, aider. Mais sur le plan national, est-ce que même il faut ça le fait? Qui sont faits déjà sur le plan national, dans les 10 départements du pays, pour que aider à arriver sous paysans, il y a même qui prennent pour voter? En tout cas, même si nous, ouais, n'existe, je vous dis à la parole élection pas intéressant, mais dans un second jour privé, fuck élection en fait. Ouais. Qui sont faits? Est-ce qu'on a le joint paysan déjà? Bon, bien sûr, nous avons des structures aidées dans tous les départements pays. Donc, c'est un bon moment où c'est dans le pays, seulement moi tape voyager dans le pays avec reste équipe là. Dans le plateau central, dans toute commune, nous gagnons une coordination aidée, coordination communale. Et dans le département, lui-même, on a un CDD qui est un comité directeur départemental. Dans le nord-ouest, nous avons avancé extrêmement bien avec des comités dans toutes les communes nord-ouest. Dans la Tibonite, c'est pareil. Nous pouvons finir net dans toutes les communes de la Tibonite parce qu'on est en pile. Dans l'ouest, nous gagnons 20 communes. Nous déjà dans 15, donc n'a pas avancé. Et c'est ça qu'on est capable de faire et activité ça dans Mariotte avec Caribé qui était chargé avec monde, plusieurs centaines de milliers de monde. Donc, n'a pas structuré partie dans tout le pays. N'a pas mis en place des comités directeurs. Et moi, je suis en gourmand parce que nous avons un site web. Par exemple, par jour, c'est 300-400 inscriptions. Donc, je regarde Pic là, par exemple, nous sommes à Montréal là, je regarde Pic là, c'est 500 inscriptions. Moi, ouais, hier, par exemple. Hier, tout le monde, c'est des membres. C'est des membres. Et qui viennent pour cotiser. C'est ça que fait M'Dou. Et la politique, là, nous fait différemment. C'est mon lieu qui a cotisé, par exemple. Et nous avons déjà lancé un GoFundMe. Je ne vais pas faire réclame pour lui là, parce que je ne vais pas payer pour ça. Mais nous avons déjà lancé un GoFundMe. Nous avons ramassé. Non, mais parlez, ouais, parlez. Très bien. Donc, on va pouvoir gagner un GoFundMe qui est support Dr. Claude Joseph. Donc, il y a déjà environ 15 000 $. Donc, nous allons faire une rencontre le 17, c'est une rencontre Zoom, côté Mounio Palbay, et en direct, et supporter cause des donateurs. Donc, c'est-à-dire que toute virée qu'on a fait là, c'est nous des supporters, nous allons compter en banque nous. Nous voyons comment, et mon avou, il reçut moi sur WhatsApp, moi, $500 américains, $100 américains. Donc, une question, ça. Donc, c'est pour me dire que, c'est pour me dire pratique. Et pour moi-même, et moderniser la vie politique dans le pays, il a commencé à prendre son signal fort que nous lançons. La politique n'est pas qu'on fait comme ça. Ouais, c'est les politiciens qui ont payé 1000 gouttes, mais qu'on c'est nous qui avons commencé 1000 gouttes dans le même monde. Pour nous faire politique. Pour nous faire politique. Très bien. Si vous parlez de membres, est-ce que Joudia, tu as une idée déjà du nombre de personnes inscrites en tout cas? Pour nous inscrits seulement dans le ministère de la Justice, nous avons 6000 personnes, avec 4 électorales. Très bien. 6000 personnes. Dans la traversée dans le pays, nous avons inscrit plus que 10 000 personnes. Donc là, dire... dans 17 à 18 000 personnes. Ça veut dire aujourd'hui à là. Oui, sans pas compter. Ça veut dire aujourd'hui à là, aider Guetan gagne environ 17 000 membres inscrits. On a dit plus que 18. Des gens qui ont un mouvement qui dit ouais. Mouvement ça me voulait entrer là-dedans. Bien sûr. Ça veut dire si aujourd'hui à là, on va participer dans l'élection avec tout le monde qui est inscrit, déjà il y a 10 000 personnes qui sont prêts pour voter pour. Ouais, bon, oui, mais si c'est parti à participer dans l'élection. Il y a 10 000 personnes qui peuvent voter pour lui. Ok, très bien. Tout à l'heure, tu as parlé de Mounsayo qui, en tout cas, fait des donations, participer pour aider capable de continuer à fonctionner. Et justement, nous devons arriver là parce que il y a un peu de monde qui a suivi vous. Il y a un peu de monde qui a suivi vous. Il y a des monde qui probablement pas comprennent cette idée et qui probablement ont un problème avec vous tout. Qui a suivi vous. Et moi, il y a des tweets qui ont fait. On t'a parlé de donation, ça me permet de venir sur la question financement. Oui, oui. Financement avec vous. Parce que vous avez voyagé, vous êtes à Miami, vous êtes en Espagne, vous menez un groupe à l'information avec vous. Ça a un coût de Espagne tombé en France, en Sarcelles, et je dis à Montréal, bien que le groupe n'a pas ensemble avec vous. Mais tout ça,
li impliqué en cours, hein, li impliqué en cours. Et Gedamoun, par exemple, m'a regardé, nous capable regarder tout ça que Emmanuel Adouyon fait hier soir après mouvement, après ça qui passé dans Montréal là, m'a appelé pour nous et puis on a dit nous sont penser. Emmanuel Adouyon dit m'la m'a regarder et m'a pressine pas pour demander côté candidat. Il n'a pas de challenge pour faire campagne. Vireront tout côté. C'est pour nous contrôler combien de voyages qui fait, combien de maillots qui imprimé, combien de salles hôtel qui louent. Il faut que nous paraît tout connu si ça est important pour nous. Alors, il fait tweet ça, c'est une façon pour nous questionner qui côté nous joindre COP, par exemple, pour que, en tout cas, me réduire tout le avec question aidé, puis je ne vais pas citer non aidé. Mais, en tout cas, nous comprenons tout là dans ce sens ça. Et son façon pour yo questionner qui compte rejoindre une COP pour faire toute vie et on ça. Est-ce que d'après vous-même et contribution que même aider au bail, yo permettent ou faire vivre on ça? Très bien. Et mais est-ce que comme ça, comme dépenser là, il pas on lié avec Passo dans le gouvernement, comme quoi c'est pendant que tu es dans le gouvernement, quelque part, ou Fouillemont, qu'est-ce que tu as pris l'argent, et puis je dis là, on va gaspiller, on va prendre l'argent pour activité politique. D'accord. Et d'abord, et pour jeune ça qui fait tout ça, et mon connaît son jeune assez intéressant, et nous avons eu une chance pour nous parler plusieurs fois, et sorti dans la ville au Caille. J'ai eu une chance de parler plusieurs fois. Je connais que j'ai gagné pour le travail sur la question doctorale, puisque je fais doctorat en politique publique, mais avec une concentration dans l'économie et développement. J'ai regardé comment tu as agencé la question de thèse. Et j'ai regardé toute la bataille qu'il a fait. Donc, j'ai respecté la bataille qu'il a fait. Et même si parfois, le résultat a montré qu'il était du mauvais côté de l'histoire. Par exemple, la première question pour nous poser, c'est mes amis qui t'ont fait. Et côté COB, plutôt Caribe, il y a campé, mais deux côtés, il y a une COB et Mayo, ça, qu'on a imprimé, manifestation, qu'on a fait, contre Jovenel, et d'abord, premier assassinat, il fait un assassinat de caractère, justement. Et bon, ça a contribué là-dedans. Et vraiment, et deux charges qui ont été sur le président Jovenel Moïse, qui n'a pas déjà fondé, et il y a toujours un travail pour l'industrie, ça, parce que c'est des mondes oligarques, des mondes qui, par exemple, ont touché 12 millions de dollars. Pour y avoir des services, je ne sais pas, je vais avoir une connexion avec eux. Donc c'est normal, je dis, pour nous questionner, parce que Guéien, Redisson Kotal va faire seulement pour nous qui dans l'État, non? Il fait tout pour nous qui te prend des engagements, qui te gagne un pile d'argent derrière eux pour te manifester, faire des bagages. Goma, il y a un Caribe, il y a un peu de la forme qu'on est, côté comme ça, où tu es sorti. Et c'est normal pour vous poser des questions. Même je vais me poser des questions sur vous. Mais pour me répondre à la question, je vais tout profiter et remercier tous les amis, tous les frères axeurs qui te permettent que je ne sois pas en Espagne. Gagnez un cap travail qui essayait de coller pièces et acheter des tickets. Gagnez qui ont les amis qui vont aux 500 dollars. Gagnez qui ont les amis qui vont aux 100 dollars. Gagnez qui ont les amis qui vont aux 300 dollars. Mais enfin, c'est des jeunes dévoués. Ils ont une grosse opportunité ça en parti politique. Ils ont tombé après les gens. Ils ont tombé après les amis. Donc, je profite, même si je ne connais pas tout le monde qui baille, mais je profite, féliciter eux. Et je profite, remercier eux. Et me dit que pour avoir de l'autre formation, pour de l'autre cadre d'empathie, nous avons besoin de faire ça de façon plus structurée. Si on a un billet d'avion, si on a deux billets d'avion, si vous permettez que nous citions non, nous citons non. Non, alors c'est ça me dit si on nous permet que nous citions non, pour le présent moment, peut-être qu'il y a des gens qui parlent. Parce que vous connaissez des gens qui aident, qui baillent un billet, qui baillent deux billets. Il y a des gens qui baillent 100 dollars, des gens qui baillent 50 dollars. Est-ce que ta manière de répondre à cette question, c'est une façon d'assurer que ça va gagner, il va gagner un rapport avec et son corruption? Non, du tout. Alors, c'est ça. Nous-mêmes, on a aidé avantage que nous gagnons notre transparent. Après tout voyage, nous avons un rapport. Nous fait. Après toute initiative, nous avons un rapport. Nous fait. Qui est-ce qui bat nos copes? Qui est-ce qui aide pour réaliser l'activité? Et nous continuons. Et je suis bien content que vous passez GoFundMe ça pour moi sur l'écran. Pour tout le monde qui veut bailler. Même si c'est 20 dollars qui baille sur GoFundMe, aidez-nous parce que nous avons besoin de faire un mouvement pour nous renforcer tête. Nous. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons contribuer dans le mouvement. Ce n'est pas plutôt. 100 monde chaque bail 100 dollars que nous gagnons un seul monde qui bail 10 000 dollars. Ça, c'est le principe nous. Premier principe nous. Dans l'idée, nous n'avons pas besoin de grand monde qui bail 10 000 dollars. Nous avons besoin plutôt 100 monde chaque bail 100 dollars.
Ça, c'est le premier principe là. Et qui est différent, pas de jamais gagner ça dans le parti politique. Yo. Pas de jamais gagner ça déjà. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui contribuent dans le parti politique, yo, mais le ou un parti politique tant qu'il est avancé. D'ailleurs, nous avons bataille contre l'oligarque. L'oligarque n'a pas aidé. C'est ça. D'accord? Donc, l'oligarque n'a pas aidé. Mais quand tu as une demande d'explication sur le fonctionnement, nous, son bagage qui est normal dans la société, nous ne sommes pas fâchés parce que nous demandons nos explications. Nous avons tout profité de l'explication pour les gens qui participent à l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui ont fait une grosse manifestation, qui mettaient en pile monde avec maillot, gros camion, en pile bagage, côté où tu es conduit comme ça. Donc c'est normal, il est important pour me poser nos questions ça, pendant que je pose mes questions ça. Même mon seul avantage sur plusieurs mondes, je n'ai aucun dossier sur nous. Si je n'ai un dossier, si par exemple je suis un nègre qui était au volet, qui était dans l'État qui a volé comme, à le consul Gokai Saint-Domingue, Abinadel tape des voiles. Je n'ai un intérêt Saint-Domingue, Dominicain n'a pas un dossier sur moi. Mais tout, si je suis volé en Haïti, tout, je tape dénoncé. Sinon que des bagailles. Que de bagaille qui n'est pas campé sur rien, que Dieu m'a dit, mais c'est des généralités. Mais ça qui est important, c'est qu'il faut nous toujours demander explications. Et c'est encore l'autre moment qui est extrêmement important pour moi, pour demander explications à des jeunes qui tapent bataille, beaucoup de ensemble de oligarques corrompus, qui prennent 12 millions de dollars chaque mois pour yo bay électricité, yo bay blackout. Comme ça, yo participé dans le pays loc. Yo participé pour former gros association qui a demandé contre l'argent Beto Caribia, m'attendez encore. Il paraît que après la mort Jovenel Moïse, nous jeune comme Beto Caribia. Et c'est pour ça qui fait que j'ai tout un écosystème qui campe contre moi. C'est tout un écosystème parce que moi-même ma bataille contre des oligarques corrompus, ma bataille contre des politiciens traditionnels cap armé jeunes pour être capable d'avoir part de marché politique. Ma bataille contre vraiment un système qui campe face à la diaspora, parce que moi-même, si je partage un bagage en commun avec mon gars vivant dans la diaspora, c'est que je fais 10 ans que je vis dans la diaspora. Je fais maîtrise, je fais doctorat, je m'enseigne. Donc c'est ça que je partage avec eux. Et c'est peut-être ça que je suis sensible à la cause de la diaspora. Il y a des gens qui disent que la diaspora n'a pas qu'à voter pour qu'ils soient dans la diaspora. Non. Pour moi, la diaspora sont piliers de développement. C'est clair. Tatiana a fait une recherche qui montrait que 85% monde qui gagne un diplôme universitaire, licence maîtrise ou doctorat, a vivre dans la diaspora. Il dit, pour Haïti, tu as conçu un répertoire de ressources humaines qui est déjà dans la diaspora, la prend 74 ans. Donc, bon, on a le choix. On a un qui pensait parce que la diaspora n'a pas qu'à voter, il n'est pas important pour rejoindre la diaspora, parce que ou mal analysé par eux, dans la mesure où les Haïtiens, les labs vivent à l'étranger, ils ne sont pas déconnectés avec nous, ni qu'ils vivent dans le pays d'Haïti. Chaque grande diaspora a environ 5-6 personnes que le cachaillé d'ailleurs dans un positionnement politique. Ils ont des gens qui vivent ici. Elles ont maman, le papa, le seul frère, le cousin, cousine, etc. La PD, c'est des gens. Pour faire couper Wendy Fell avec Dr. Claude Joseph, désolé. Sous point ça, moi songer référendum constitutionnel là qui t'a facilité la diaspora haïtienne capable participer et dans l'élection normalement avec des droits de vote normalement capable de respecter qui sont pas double nationalité pas de problème du tout et que mieux t'es capable candidat ok justement et puis il est capable voter mon yovle dans l'élection mais nous connaît que n'est qu'une politique en Haïti y a peur compétition électorale surtout avec moun ki nan diaspora yo. Yo pè moun sa yo, yo pè yo à tous les niveaux yo pè. Yo pè yo pou vin participer dans le développement pays d'Haïti. Yo pè yo pou vin faire business dans pays d'Haïti. Yo pè yo pou rentre dans politique parce que yo konnen que moun sa depuis rentre dans politique, yo pa pral prendre cob dans le secteur privé pour vin financer campagne yo. Y a vin avec propre l'argent, y a organisé yo pour financer propre campagne. Et là yo vini tout, y a fait des bagages qui concrets parce que Haïti gon bagage même. Nan yo pa vle pays en développé, pa vle pays en électricité, yo pa vle pays en route, yo pa vle pays en l'hôpital pour moun à l'hôpital, yo pa vle pays en l'école pour ti moun à l'école. Y a des nous mois de décembre là. Ti moun yo pa yo trimestre l'école, ti moun yo pa l'école pendant année là. OK? Par contre si yo pa l'école deuxième lundi mois de janvier. Pour groupe nan ki pa vle ti moun à l'école et ne yo pa vle à l'élection là tout. Et au pape, il y a élection tout. Bravo. Je dis Claude Joseph, avance avec Eddie. On continue à dire Wendy Fell avec le docteur Claude Joseph. Très intéressant. En tout cas, li ka pran zorey moun sa, li ka ede ou konprann ou seri de bagay, li ka di ah mwen men la miye, men pou ki rezon, men pou ki rezon, et kwa nou vle moun sa ou gen posibilite pou yo suiv. Évidemment, mon cher, moi-même m'a fait des expériences ça.
que je capable d'expliquer parce que là, je voyage à l'aéroport international. Moi, je accueille mon yo avec moi. Moi, je vois comment mon yo apprécie. Comment, ou dans l'hôtel là à côté mieux, comment mon cap travaille, ouais, etc. Vrai. Mais ça, ouais, là, c'est partout côté me passé. Quand il y a posé tête pour qui ça, gagne un écosystème, non, gonti élite qui dit que yo décide de camper, par exemple, face à moi-même. Parce que d'abord, yo un regard condescendant par rapport à la population haïtienne. Yo estime que la population, bah, même pour le choisir, pas qu'à choisir. Donc c'est yo qui choisit pour lui. C'est ça que fait l'offre, ils font un rassemblement qui gagne 1000. Des centaines de monde, ou bien 4 grenades qui font des vidéos, et puis ou bien accès à la presse, et puis ils ont dit comme ça que moi j'avais été couru derrière Claude Joseph. Alors ce que ou bien des centaines et de monde qui ont applaudi en don salle, qui ont ovationné, ou public animé, qui a participé dans la conversation. Donc c'est pour me dire que qu'on élite en dans l'écosystème, non, qui est très condescendante, qui ont un regard condescendant par rapport à la masse, et c'est comme ça que Jovenel Moïse. Comme on est en dehors, comme on est que vous devez assassiner caractère jusqu'à ce que vous finissez assassiner. Bon, ça, c'est politique, on suppose à ton oisa, ou t'es premier ministre Jovenel Moïse, c'est pas nos premier ministre qui ont assassiné Jovenel Moïse, et même Mounsa qui était en face de Jovenel Moïse, il a toujours existé. C'est vrai que peut-être Jodia a gagné qui, ça que vous voulez honte par rapport à ça que vous avez 20 moun comme rêve, hein, plus de 17 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, mais ça qui a passé dans le pays, peut-être que vous avez gagné, en tout cas, ils ont parti qui pas jamais réouer façon que tu as pensé et moun ça là et pas penser que pas campan face tout. Donc ça c'était juste mais ça qui bizarre là, ça qui bizarre là. C'est ça et haïtien dit dans proverbe li le gars au fin manger petit tout et puis la pédocrier. Donc moun qui participe dans assassiner président Jovenel Moïse soit assassiner caractère soit assassiner le physiquement et assassiner mémoire jodia, c'est yo qui prend pose j'ai demandé justice qui a dit bon écoutez on a plus sur ça mais même tout le premier aspect de noir sous aidé on fin avec lui jodi a outé au Montréal et qui l'autre activité qu'on gagne là avec aidé qui l'autre rendez-vous à bail mon là. Bon d'abord j'étais moi féliciter mon Canada pour accueillir ça et vraiment on te dit la France est passée à toi mais vraiment Montréal là ça qui passe dans Montréal a dépassé à temps. Je ne pensais pas ça, je suis un petit peu sceptique. Parce que je pensais que nous ne pouvons pas reproduire la France encore. Mais là, je viens dedans, je suis frémi. Accueil là, valait le monde qui l'a d'ailleurs. Et je t'ai fait mes salles là, parce que il était atteint une capacité. Une salle qui a plus de capacité de plus de 800 monde. Donc, il a atteint une capacité. Il a fermé, il n'a pas d'accord, l'autre monde rentré. Donc, je félicite la coordination aidée dans le Canada. Je félicite la famille aidée dans le Canada qui réalise gros événement ça. Et moi-même, encore une fois, pour un groupuscule de 5 à 6 personnes qui étaient venus pour perturber l'événement, je t'ai dit qu'ils venaient comme des chasseurs, mais malheureusement, ils étaient chassés. Mais moi-même, je n'ai pas encouragé. Boustadion était là, Jimmy était là. C'est ça que je me dis, si vous venez avec violence, on recevra avec l'amour. Parce que pour moi-même, si aussi des intellectuels viennent faire débat, c'est débat. Viennent questionner sous bilan. Même si, pendant mon premier ministre, pendant seulement 3 mois, eh bien, moun sa yo, et 6 à 7 moun qui étaient là, voulaient laguer bilan catastrophique pays ya, pendant les 30 dernières années sous de Claude Joseph. Donc, ça me dit, moi je dis, un, que moi j'étais premier ministre, l'MT Premier ministre, Goudla, il n'y a pas les oreilles bourrées que j'en ai jeudi. Ah, sauf que là, on va rentrer dans le mauvais sujet. Non, pas essayer de faire bilan. Mais regardez après 17, regardez après 17 mois, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, regardez dans qui ça paye. Il y a des chers de la vie. Il y a des combien de monde. Donc, pourquoi ça m'étonne là? Oui. Si on regarde l'autre là, à Kounia. À combien de goudes la thé à Kounia comme allié. D'après, bon, différence. Ouais. Mais si je garde tout, combien de goudes la thé le premier ministre qui était là avant façon qu'on quitte. C'est ça. Ça veut dire. Parce que quand on a sa l'augmentation, continue. Quand on a sa l'augmentation. Ouais, je veux dire là, goudes la à plus de 140 goudes selon taux officiel. Mais après un an,
la pire. Ça veut dire conditions, conditions politiques, conditions sociales, conditions sécuritaires aujourd'hui. Uh-huh. Pas by possibilité pour on faire un bilan positif de l'économie. Mais c'est plus que ça. Mais c'est plus que ça, Wendy. C'est ça. Plus que ça. Mm-hmm. On choisi après que je fin démissionner. Mm-hmm. Les événements Matissan passé, village de Dieu. Je viens démissionner pour convenance personnelle. Et même tout le monde me connaît, c'est parce que la situation d'insécurité a été aggravée. Mm-hmm. Donc, je démissionner. Moi, je viens choisir. Mais pas oublier que le président choisit pour moi. Mais la principale mission, c'était qui ça? C'était accompagner le président pour jouer dans l'autre premier ministre. Mm-hmm. C'était la principale mission, accompagner le président pour jouer dans l'autre premier ministre. Mm-hmm. Au mois passé, le président pour jouer le premier ministre, n'est-ce pas? Mm-hmm. Eh bien, il vient de un autre mois encore. Donc, le président renouvelé pour l'autre mois. Au point que vous avez fait un petit comique, si nous songez, vous mettez moi mon premier ministre rechargeable. Donc, c'est pour me dire que pas de gagner mon temps pour me élaborer une feuille de route. Donc, je dis à un monde qui a gardé, par exemple, parce que je suis passé premier ministre pendant 3 mois, et des gens qui ont dit ça, c'est moi qui fait 10 ans sous pouvoir. Hein. Des gens qui ont servi de régime pendant 10 ans sous pouvoir, mm-hmm. qui ont occasionné que nous, là, 10 ans, l'aime de 10 ans, soit 10 ans la valasse, mm-hmm. rangé à Préval, avec qui créait tout ça, nous, là, comme oligarque, dans le secteur énergie en particulier. Donc, c'est moi qui je dis à. Qui c'est des moralistes, mm-hmm. qui voulaient juger un premier ministre, qui ont fait 10 ans sous pouvoir, on est qui fait 3 mois. C'est ça. Dans un contexte extrêmement difficile. Mais malheureusement pour eux, la population haïtienne est extrêmement intelligente. Ce n'est pas payé dans les pays, les gens qui viennent dans. Nous avons bien comme ça. Tout. D'ailleurs, en Haïti, on dit que c'est payé au pays, les gens. Parce que les conditions sont en Haïti vulnérables. Mm-hmm. Mais là, on parle dans la diaspora en France, on parle dans la diaspora au Canada. Nous ne pouvons pas dire que c'est payé. Qui ont payé mon yo. C'est des mouns qui fait déplacer volontairement pour venir t'aider. Donc, deux mouns, pas qu'à dire, 800 mouns, c'est des imbéciles par exemple. C'est ça. Donc, c'est un regard condescendant. Son regard condescendant, c'est de onti élite, tout petit, qui prend en otage appareil communicatif yo, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux yo, et puis qui dit que voilà, et mouns a yo qui vient là, son paquet de garé yo. C'est ça que fait Mounzaïo, c'est toujours, parfois pour la plupart, ils ont été derrière les réseaux sociaux pour agir. Gain qui confond une popularité virtuelle avec une popularité réelle. Parce que les gens viennent dans nos ou même une popularité réelle. Oui, hein, c'est énorme. Et par exemple, on a parlé sur Facebook, il est visible, il y a 12, 13, 20 000, 30 000 personnes qui ont regardé, ça veut dire qu'on. Gon bagay là, gon sorte de curiosité pour Claude Joseph là, ça, si on est honnête, faut qu'on admette. Donc, rendez-vous à Aidé, n'a pas continué de frapper dans le pays d'Haïti. N'a pas continué d'ailleurs. Voilà, rendez-vous avec Aidé, c'est dans le pays d'Haïti. Grand lancement Aidé, gen pour le fête dans le pays d'Haïti. Nous gen pour ne pas fonti parler avec Dr. Claude Joseph sur ça. Et dans le jour, gen pour venir là, pour nous connaître exactement et programmation Aidé. Et bon, tout d'abord, ça qui m'a dit honnêtement. Moi comprendre les frustrations et ti groupe Lavalas dans Canada yo groupe moun qu'on appelle moun nan pilon yo ti moun nan pilon yo et yo frustré et yo pas cabari jeune ça yo et effectivement là qui campé et justement bon côté jeune garçon ça qui c'est docteur Claude Joseph on m'a dit sauver même dit non grande bagaille nous pas jambe ba nous possibilité ça encore pour nous faire peuple la raille moun capé qui gen volonté qui aider il pas jambe ba bonne chance ça encore. Vous devez faire ce Jovenel Moïse, nous sommes Jovenel Moïse. Pas de gens de bon côté qui peut aider la population à comprendre ce qui a fait le faire. Je dis à mon bon côté, peuple là, m'appelle des peuples à comprendre. N'est qu'à faire intoxication, n'est qu'à essayer, comme si on a fait campagne pour assassiner le caractère. Ça, on va pas passer encore. C'est fini. Bonne gang, bonne volo. Moi, je nous en pile. Rendez-vous cassé pour après-midi, pour l'autre émission. Et faut bête aux amis, pas nous, cavalier pour le canon. Moi, je nous en pile. Ça fait la clave ici. Qui est mon qui s'y parle, ni qui livre. Ça s'en connaît, yo saboté. Oh, walalaï, walalaï, yo moué. Nèg yo méchant, oui, sous des ça, monsieur. Oh, walalaï.